Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, et un nouveau let's play sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sur Star Wars, le pouvoir de la force 2 les amis. Donc comme vous le savez, il y a, ou que vous le savez pas, mais il y a quelques temps, même très longtemps, j'ai fait Star Wars, le pouvoir de la force 1, et j'avais dit que je ferais le 2 pour continuer l'aventure et terminer l'aventure de Star Wars, le pouvoir de la force, tout simplement car ils ont fait que deux jeux sur... cette magnifique histoire, qui est bien dommage d'ailleurs qu'ils n'ont pas continué, mais en tout cas on va attaquer les amis et puis voilà, on va faire ça. Donc jeu qui est assez vieux, je l'ai sur PC, j'en ai profité des soldes Steam de l'hiver pour acheter ça, et on va se mettre comme vous le savez en difficulté facile, c'est juste pour faire l'histoire et basta les amis. Allez, je sais pas combien de temps va durer les amis le premier épisode. Parce que vous savez que je varie un petit peu, mais peut-être il va être très court, comme peut-être il va être très long, je sais pas. Allez, je me tais, je laisse la cinématique et je vous dis à tout à l'heure. Tu es en vie. Combien de temps cette fois ? 13 jours en isolement. Impressionnant. La force, c'est elle qui me nourrit. La force ? Le côté obscur, mon maître. Viens. Mentor Jedi de Starkiller a été capturé. Le général Kota. Oui, quand ta formation sera achevée, tu te rendras sur Caton et Moidia pour l'exécuter. Vador pense qu'il t'a converti. Mais je peux voir ton avenir. Vador ne restera pas ton maître éternellement. Tu es toujours hanté par des visions. Oui, maître. Parfois, je sens l'odeur d'une forêt qui brûle. Je vois le général tomber.
Le sol se met à trembler, et un vaisseau s'écrase près de moi, et j'entends... une voix de femme quand j'essaie de dormir. Ce sont les souvenirs d'un disparu. Un effet secondaire du clonage et des greffes mémorielles que tu as subies. Cela passera. Vous en êtes sûr? Sinon, tu ne me servirais plus à rien. Les émotions de Starkiller l'ont affaibli. Tu dois détruire ce qu'il a créé. Oh, on a deux sabres laser, putain! Wow, on a deux sabres laser dans celui-là. Tu es resté loyal à Vador. Il a fait croire à tout le monde que j'avais trahi. Il a essayé de te tuer. Qui es-tu? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tac, tac. Oh, qu'est-ce que j'aimais ce jeu. Je m'oblige pas à vivre ça encore une fois. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est le sort de l'Alliance qui est en train. Là, je suis content parce que bientôt va sortir aussi Jedi, la suite de Jedi Fallen Order. Ça, ça va être cool. Ça, c'est cool. Non, attends. Juno. Oui. Allez, élimine-la. Je ne peux pas. Fais-le. Tu as été créé pour m'obéir. Sympa, lui. Oui, c'est bien ce que je craignais. Mais qu'est-ce qui m'arrive au juste? Le processus de clonage accéléré est encore imparfait. Ceux qui t'ont précédé ont perdu la raison en quelques mois. Je pensais avoir réussi avec toi. Mais j'ai peur que tu ne subisses le même sort. Quel bâtard. Qu'allez-vous faire de moi? Il va le tuer. Bien parce que le 2 je l'avais jamais fait. Je l'avais jamais fait le 2 du coup, comme ça j'avais fait qu'une petite démo à l'époque, parce qu'à l'époque il sortait des démos. La démo c'était ça justement. Et après je suis jamais allé plus loin. Donc du coup on va pouvoir finir. Ça, ça fait plaisir. Alerte, évasion en cours. Ça c'est abusé par contre. Mais c'est kiffant. C'est abusé mais c'est kiffant. Et là, waouh. Je me rappelle de cette scène dans la démo, c'était badass de ouf. Genre il a tout pété en atterrissant. Le sujet s'est évadé. Procédure de verrouillage déclenchée. Voilà. Okay. Bon, on s'est mis en facile les gars, donc on devrait pas galérer. Donc j'ai les cristaux verts et blancs tout simplement parce que bon, j'ai utilisé les cheat codes pour les avoir.
Donc c'est un truc qu'il y a dans le jeu, hein. C'est pas non plus, ça donne pas un bonus de malade, mais c'est pour qu'on soit un peu plus tranquille. Il y en a un, il donne de l'XP si j'ai bien compris, et l'autre c'est de la guérison. Donc dans la même principale j'ai mis la guérison, comme ça on aura plus souvent du heal. Et dans l'autre, visiblement on aura de l'XP en plus. Donc ça fait un petit peu plaisir, voilà, c'est un petit bonus. Et si, il y a ça aussi. Une tenue aussi là. Attends, j'avais pris une tenue. Voilà, l'apprenti obscur, trop stylé. Oh, armure de Jedi expérimentale. On se met en... Je vais tester l'armure de Jedi expérimentale. Ah non. Bon bah non, alors. On fera plus tard. Ne vous approchez pas de moi. Magnifique. Magnifique. Il faisait quand même des bons jeux à l'époque. Hein. Bon là les jeux sont bien aussi aujourd'hui, hein. Attention, je dis pas le contraire, mais il faisait quand même des très très bons jeux à l'époque. Hein. Moi j'aimais, je kiffais les Star Wars. Les jeux Star Wars en fait, il y en a plein. Bon, il y en a plein, c'est des vieux. Mais comme celui-là, mais quel kiff! Ça va, heureusement, ils ont repris en main un petit peu la licence Star Wars, notamment avec Star Wars Jedi Fallen Order. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein! N'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne, il y a le let's play complet. Et il y aura bien évidemment la suite. Ah merde! Et il y aura bien évidemment du coup la suite sur la chaîne YouTube. Ah d'accord. D'accord, voilà, c'est comme ça. Voilà. Dès que ça sortira. Pack, elle meurt. C'est bon là. Il en reste un que j'ai pas tué. Kamehameha. Ah bah peut-être qu'il y en avait un qui était pas totalement mort. Là. Cristal de sabre. Et question, comment on fait pour sauvegarder? Ah ben c'est là, ok. Donc je peux arrêter l'épisode quand je veux, ok. Donc de toute façon, je vais pas tarder de voir l'arrêter. On va essayer d'aller un peu plus loin. Ah
Pam. Ah cool, ma santé normale elle a augmenté. Tac, j'aime bien les vieux jeux en vrai. Il y a des très très bons hits. Bon, comme dans les récents, il y a de très très bons hits, mais... Ok, on avance bien là. Allez, tombe mon pote. Oh, j'adore. La liberté de pouvoir, des mouvements et tout dans le jeu, elle est juste dingue. Je crois que ça augmente le pouvoir de la force, non? Vous avez trouvé un holocron renfermant des points d'expérience. Ah. Alors, vous avez assez de points pour faire passer votre pouvoir de la force au rang supérieur. Donc, on appuie là. Ah oui, d'accord. Sabre, c'est quoi ça? Pouvoir de la force. Y, appuie sur X pour terrasser vos ennemis grâce à des attaques portées avec les deux sabres. Ah oui, on va augmenter d'abord le sabre. Ouais, on augmente les dégâts du sable, mon copain. Excellent. Tac, tac. Nice. Je vous aurais prévenu.
Meurt. Ok, on est là. Voilà, ça c'était la fin de la démo que j'avais joué. Magnifique. Vous avez débloqué un nouveau défi. Nice. Mais moi, il m'en fout du défi. Moi, il m'en fout du défi. Je veux juste faire l'histoire. Tintin. Laissez-moi tranquille. Là, hein, qu'il faut aller. Mange. Qui est mort, hein? Thank you.
encore un gros. Encore un gros. Tac. Oh là 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 là, quel kiff. Ça c'est du kiff les amis. Ça c'est un kiff. La liberté de mouvement sur le jeu, elle est... C'est pas un monde ouvert, bien dommage, mais j'ai hâte de voir Jedi Survivor. Hein. Et voilà, la force maximale. Merde, je suis mort. J'ai oublié d'accélérer. Oh là là, faut que j'aille là. Ok. Voilà. Et bam, dégagez les robots. Il en reste quand même un, je crois. Bon, on va vite le tuer. En vrai, on est en mode facile, donc c'est facile, ce qui est logique. J'aime bien faire les jeux comme ça, histoire en mode facile, comme ça on profite bien du scénario, on n'est pas là. Merde, merde, merde. Ah, j'ai oublié de sortir. Ah là, le teubé, il disait quoi? Oui, c'est facile. Bah ouais, Moret. Donc je disais, j'aime bien mettre les jeux en facile comme ça quand je fais les histoires pour la première fois. Parce que du coup, comme ça, je peux profiter du jeu. Je savais pas ça. C'est trop stylé. Et venez les gars. Je suis en mode furie, venez, venez, venez. Venez tâter. Oh, y'a Dark Vador. Y'a Dark Vador. Oh mon petit Darky, comment tu vas? oh,
Comment ça va les gars? Ça va. Très. Aïe. Aïe. Ça craque. Qu'est-ce que je kiffe ce jeu? L'univers Star Wars, c'est ce que je dis plein de fois, mais il y a matière à faire des centaines de jeux sans jamais étouffer la licence, quoi. C'est avec les dépeceurs coréliens. Seigneur. Envoie une équipe dans le hangar. C'est là que je l'attendrai. Stylé. Ah oui, c'est Vador. J'allais dire c'est peut-être nous, mais non. C'est nous. Si, c'est moi. Je pensais voir le seigneur Vador. Le Jedi, où est-il? Oh, il est en vie, pour l'instant. En fait, il combat dans l'arène depuis 7 jours. Vous connaissez les codes de sécurité impériaux pour ce secteur. Les codes de sécurité. Tuez-le. Enfin, c'est moi, si je dois faire quoi là? Ah oui, mais attends. Ok, donc nous les amis, par contre on va s'arrêter ici, on va sauvegarder. Hop, voilà, donc nous les amis on va s'arrêter là pour cette vidéo là. N'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter, partager, bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir de plus en plus de contenus différents. N'hésitez pas à proposer des jeux en commentaire des vidéos et je me ferai un plaisir de vous les réaliser sur la chaîne YouTube les amis. En attendant, je vous dis bye bye.